Dans cette vidéo, j'aimerais pousser un coup de gueule et dire qu'il y en a marre d'entendre cette phrase sur un tournage. Deux points, ouvrez les guillemets. On verra ça au montage, hein, on corrigera ça au montage. Je ne veux plus entendre cette phrase, plus jamais. Dans ces vidéos, sur ma chaîne YouTube, j'échange avec vous des idées, des astuces, des réflexions. C'est une chronique de réalisateur et aujourd'hui particulièrement sur le montage. J'ai envie de donner mon avis sur cette étape très importante qui est le montage d'un film. Tout type de format de concept, hein, film publicitaire, communication, institutionnel, fiction, série, court-métrage, peu importe. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, on va parler un petit peu de l'importance du montage. Pour moi, le montage est plus qu'une étape dans la fabrication d'un film. C'est totalement une nouvelle écriture. Encore une fois, la technique post-prod va servir la créativité, va servir la narration de notre film. Et encore ici, je ne vais même pas parler de la post-prod audio. On verra ça ou on corrigera ça au montage. Donc, cette fameuse phrase que je veux interdire par une loi. Mais plus sérieusement, cette phrase est à bannir de tout tournage, à bannir d'un vidéaste, de la bouche d'un vidéaste, dans l'esprit même d'un cadreur, d'un réalisateur, en tout cas de celui qui est en charge et responsable de l'image sur le tournage. Car cette phrase, pour moi, traduit un manque de confiance en soi. La seule priorité, comme je le dis souvent à mes stagiaires en formation, et que j'essaye de me dire à moi aussi tout le temps, c'est la priorité lorsqu'on est au tournage, c'est de revenir à la maison avec des rushs qui sont techniquement irréprochables. En termes de lumière, de cadrage, de mouvement de caméra, et bien sûr de points, enfin, et pléthore d'autres choses, pour qu'on ne puisse pas passer son temps au montage à corriger les erreurs de tournage, qu'on ne passe pas notre temps à être dans un rattrapage, dans du petit travail qui va forcément vous épuiser mentalement, physiquement, et peut-être même vous dégoûter tout simplement de votre projet. Il faut rester alerte, concentré et tout le temps avoir l'esprit branché sur la création. Considérant que nous ne sommes pas des robots, il peut arriver qu'on fasse des conneries au tournage, on arrive avec un rush, quelques plans qui sont pas bons, ça reste une erreur humaine, il faut l'accepter. Ça, à la limite, évidemment, le montage va nous sauver la peau. Alors, pourquoi le montage peut sauver un film? Si on revient sur le concept que le montage est une autre écriture du film, on peut se rendre compte que lorsqu'on suit chronologiquement, scolairement, notre découpage, notre scénario, on se retrouve avec un film qui est lent, qui manque de rythme, ou qu'on a des problèmes de raccord. Ben, on se retrouve avec plein de petits problèmes de rythme et d'ambiance. À ce moment-là, évidemment, le montage va nous permettre de prendre du recul, de dire « Ah, attends, là, si je déplace cette séquence-là, je le mets ici, ou même ce plan-là, je le mets là, ou je raccourcis ce plan, etc. » va nous donner un autre rythme. Et je conseille toujours de monter à deux. Surtout lorsqu'on réalise et qu'on monte son propre film, c'est bien d'avoir un recul, des yeux neufs. Soit on travaille avec un monteur directement qui nous apporte aussi son point de vue, sa technicité, et là on a un travail en duo, en binôme qui est très intéressant. Soit on est seul à faire son montage, mais très rapidement lorsqu'on a déjà une version finalisée. Moi je travaille avec mon premier assistant, Seb, systématiquement, il m'apporte son point de vue, donc je vous conseille vraiment de jamais monter seul. Monter seul, c'est vraiment le risque d'avoir la tête dans le guidon et de vous retrouver avec un film où il y a, et là c'est le pire, et là ça on vous le reprochera, d'avoir des problèmes techniques. Bon, après, si le montage, l'écriture du film, le rythme ne plaît pas, ça ne plaît pas, c'est votre choix à vous, apparemment que c'est assumé, mais si on remarque des problèmes techniques dans votre montage, là, vous n'aurez aucune excuse. Conclusion, soyez irréprochable techniquement, au montage, et la seule règle pour avoir un confort de montage, pour se concentrer uniquement sur la créativité, sur la narration, sur la grammaire de montage, s'éclater quoi, c'est d'avoir filmé de belles images et d'avoir fait de la bonne prise de son. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, de cliquer sur j'aime, de cliquer sur la cloche pour savoir quand est-ce que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Salut !